Bien, donc de retour de Turquie, où j'ai pu rencontrer les membres du HDP, le parti turc, qui a des parlementaires, qui sont 9 députés à avoir été arrêtés et jugés pour crimes terroristes, pour entreprises terroristes. Et pour certains, ils peuvent avoir la perpétuité, voire la perpétuité aggravée, c'est-à-dire avec une visite tous les 2 mois. Je suis allé manifester devant le pénitencier où a été déplacé le procès. Normalement, les procès ont lieu au palais de justice d'Ankara, mais les autorités turques, pour faire en sorte qu'il y ait le moins de monde possible qui puisse assister au procès, ont déplacé le procès et l'ont fait dans le campus pénitentiaire de Sinchan, à 70 km du centre d'Ankara. Et nous n'avons plus... Les procès, comme chez nous en France, sont normalement publics, mais malgré le fait que les présidents de séance du procès ont autorisé les délégations étrangères que nous étions à entrer, la police n'a pas daigné entrer, c'est-à-dire les ordres étaient de ne pas permettre aux délégations étrangères d'assister au procès, que ce soit les élus, il y avait des élus norvégiens, suédois, grecs, italiens, allemands, des élus britanniques, des élus français, puisque j'étais accompagné de 2 conseillers régionaux et des représentants de l'association France-Kurdistan, ou que ce soit les diplomates, puisque les représentants de l'ambassade de France ont voulu assister au procès et ont été refoulés. Enfin voilà, personne, procès quasiment à huis clos, de manière à juger cette liberté d'expression qui est totalement inexistante en Turquie et à considérer que ceux qui critiquent le pouvoir seraient des terroristes. Il était important pour nous d'apporter la solidarité d'élus étrangers à ces victimes de la dictature turque, parce qu'il n'y a pas d'autre mot quand on en est arrivé à ce niveau-là d'abolition de la liberté d'expression. Il faut savoir que j'ai voulu assister à des procès d'hommes et de femmes politiques, mais d'autres procès ont lieu, des procès de journalistes qui ont critiqué la politique du président Erdogan, des procès d'universitaires, et notamment de l'université d'Istanbul, université francophone qui a des conventions avec l'État français. Et bien, des professeurs de cette université sont jugés, même chose, pour crimes terroristes, pour entreprises terroristes, parce qu'ils ont osé, dans leur cours, prendre des positions contre la politique de la Turquie. Vous voyez, en Turquie, la liberté d'expression n'existe plus, et il est important que l'ensemble de la communauté, pour aider les Turcs à sortir de cette dictature, l'ensemble de la communauté, des élus, des maires, et aussi du pouvoir français, réagissent de manière à faire changer cette politique. Et c'était le sens de mon déplacement. Et c'est le sens maintenant du travail que je vais engager auprès des différents groupes, que ce soit le gouvernement, que ce soit l'Assemblée nationale, que ce soit les députés du groupe d'amitié, par exemple France-Turquie, de manière à ce qu'on ait des réactions pour peser, pour mettre la pression sur les autorités turques.